Sadio was coming from, he began as a football player in our academy in Dakar, Génération Foot. It's a wonderful place with wonderful pitches. Comme ce qui se fait de mieux dans le monde, aider ces gamins qui sont vraiment laissés en rade. On reconnaît qu'on est un pays pauvre, mais on est très riche en talent ici en Afrique. C'est moi qui ai lancé avec ma modeste personne Sadio Mané. C'est moi qui est allé dans les sélections au Sénégal. Personne ne le connaissait. Pour lui dire, attention, nous avons un phénomène. L'année qu'il est allé au CMS. He was arriving in winter and he never saw snow. He never knew such loud temperature. And so after a few months, I think, as he was injured, he couldn't play. Did you ever feel like quitting, like going back to Senegal and saying, right, I've had enough, I want to go back home? Yeah, the beginning, in my head, to go back home. It was to go back home, but I remember my first game also. It was not easy. After 25 minutes, I came out. I was crying this day after the game. We had to give him this self-confidence to say, okay, no, that's normal. It's difficult. It would be difficult for me to come in Senegal. Everything would change for me. It would be the same. When I was injured as well, he always talked to me, and it was as a father, he helped us too much. So I want to thank him for all he did for us. Our players here, when they have a problem, they go to their parents, you know, their girlfriend, their uncle, their grandmother. He was alone. They need you not only as a coach, but as sometimes as a father, sometimes as a teacher, sometimes as a policeman. Moi, je trouve qu'il a beaucoup transformé les joueurs, Klopp. Et comme j'ai dit à Sadio, je pense que tu es vraiment dans le club qu'il te faut. Parce que je pense que très honnêtement, ça va être un des tout meilleurs joueurs au monde, Sadio Mané. Mais je pense qu'il met beaucoup d'ingrédients, comme un bon cuisinier. Il met beaucoup de bonnes choses autour pour pouvoir réussir. Si on regarde Neymar, on regarde Messi, Sadio Mané a quelque chose. Il a quelque chose que Messi n'a pas. Il a quelque chose que Neymar n'a pas. Pourquoi ce serait lui qui serait le premier? Parce que très honnêtement, dans tous les joueurs que vous avez nommés, celui qui a le plus de talent dans le dribble, dans l'élimination, donc dans le fait de faire aussi lever les foules, c'est quand même Sadio Mané.